Pour cette dernière semaine du mois d'août, du 27 au 31, on retrouve plusieurs indicateurs économiques d'importance au menu des investisseurs, particulièrement en fin de semaine. Mardi 28, on attend tout de même l'indice Conference Board de confiance des consommateurs américains. Mercredi 29, attention à l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'août, annoncé en légère hausse. Hausse aussi pour le produit intérieur brut américain pour le deuxième trimestre. Et enfin, dernier rendez-vous, mercredi 29 à 20h de Paris. Il s'agit de la publication du livre beige de la Fed. Jeudi 30 à 9h55 heure de Paris, on attend l'évolution du chômage allemand pour le mois d'août, qui est annoncé stable. Et enfin aussi les dépenses de consommation ainsi que les revenus des ménages américains pour le mois de juillet. Enfin, vendredi 31, plusieurs indicateurs américains, l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois d'août, ainsi que les commandes aux usines pour le mois de juillet. Et enfin, on suivra les discours de Ben Bernanke et de Christine Lagarde au symposium annuel de la Fed à Jackson Hole.